Bonjour et bienvenue, ici c'est Dr Sakho. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 bienfaits des dattes. Qui ne connaît pas les dattes? Les dattes sont des aliments sains qui ont des propriétés nutritives très importantes, qui sont riches en vitamines, en fibres et en sels minéraux. Alors aujourd'hui, je vais vous partager la composition des dattes et vous allez voir d'une autre manière comment il faut s'alimenter avec la datte. Quelles sont les valeurs nutritives et les bénéfices, les bienfaits des dattes lorsqu'on les mange. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de la partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait, finalement de notifier la cloche de notification pour savoir que j'ai publié une vidéo. Les dattes, vous le savez, ce sont des fruits secs les plus sains du monde. Les dattes ont un procédé de conservation qui dure. Les dattes sont des fruits secs qui sont très résistants et dont on peut le conserver pendant longtemps. Ils résistent au froid et à la chaleur. On peut le laisser pendant plusieurs jours, plusieurs mois sans que la composition ne se dégrade. Donc, les dattes sont, c'est pour cette raison-là qu'on l'appelle un aliment sain. En plus des autres propriétés que je vais vous dévoiler, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous dévoiler les 10 bienfaits des dattes que vous ne connaissez pas et qui font très de bonnes choses à l'organisme, qui donnent de meilleures santé à l'organisme. Selon plusieurs études, les dattes sont très riches en potassium. Et le potassium, c'est un élément qui rentre dans la régulation de la pression artérielle. Donc, de ce fait, les dattes réduisent la pression artérielle et donc très bon pour l'hypertension. En plus de cela, les dattes ont une propriété vasodilatatrice. C'est quand les vaisseaux se dilatent, ça favorise la circulation du sang. Cela permet de prévenir les accidents vasculaires cérébraux et même de réduire encore la pression artérielle. En plus, les dattes sont très riches en antioxydants et en sels minéraux. Et ces antioxydants vont lutter contre le cholestérol et réduire les risques d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, en général, les dattes sont très riches, numéro 1, pour la santé cardiovasculaire. Le bénéfice numéro 3, c'est que les dattes combattent la fatigue. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours riches en potassium et en sucre naturel et en différentes vitamines et minéraux. Ce qui fait qu'il est très riche en calories et de ce fait même, il est recommandé chez les athlètes. C'est pour cela que les athlètes prennent la datte avant de faire des grandes compétitions. Ça leur permet d'être moins fatigués et d'être plus résistants, d'avoir beaucoup plus d'énergie. Donc numéro 3, les dattes luttent contre la fatigue. Les dattes permettent aussi de renforcer le système immunitaire et de ce fait même d'éviter les petites maladies pendant l'hiver. Il est mieux consommé contre la grippe, contre le rhume et d'autres petits parasites. Donc les dattes ont aussi une propriété anti-immunitaire. Bénéfice numéro 4, les dattes améliorent la santé du cerveau. Les dattes conservent les mémoires, les dattes parviennent à faire une meilleure concentration. Et de plus, pourquoi? Parce qu'il est riche en vitamine B6 et en phosphore. Ces deux substances permettent de stimuler les neurones et permettent de stimuler le cerveau. Donc, on a plus une grande concentration et une grande mémoire. C'est pour cela qu'il est conseillé de les prendre. Beaucoup de gens d'ailleurs le font, les prennent pendant les périodes d'examen ou pendant les périodes d'interview pour rester effectivement éveillé et concentré. On peut mettre les dattes, on peut le faire en jus, on peut le mettre dans les mixeurs et puis tourner et boire le jus. Cela aussi va donner beaucoup plus de concentration dans l'organisme. Bienfait numéro 5, les dattes sont très riches en fer. Ce qui fait qu'ils luttent contre l'anémie, ce sont des propriétés anti-anémiques. Donc la consommation des dattes permet de lutter contre l'anémie, ça permet de s'enrichir en fer. Et vous savez bien que le fer est un constituant majeur de l'hémoglobine et de plus, il apporte de l'oxygène au cerveau. Aussi, ajouté à ça, les dattes contiennent aussi des zinc et des cuivres qui sont tous des oligo-éléments. Bienfait numéro 6, les dattes renforcent la santé des os. Une consommation quotidienne des dattes permet à l'ossification des os, permet de lutter contre l'ostéoporose, la destruction des os. Pourquoi? Parce qu'il y a le calcium continu dans les dattes, permet leur fixation au niveau des os et les renforce. En plus de calcium, les dattes sont riches en manganèse, en
en magnésium, en sélénium et en cuivre, qui tous rentrent dans la consolidation, dans la calcification des os. Bénéfice numéro 7, les dattes sont des antidouleurs naturelles grâce à sa composition en magnésium et en manganèse qui sont reconnues comme des antidouleurs naturelles, notamment au niveau des os. En plus d'apaiser les douleurs lors de l'accouchement, les dattes fournissent aussi du fer qui vont diminuer lors de l'accouchement les saignements pendant l'accouchement. Les dattes ont aussi une propriété de stimuler les hormones qui favorisent la production du lait maternel pendant la grossesse. Bienfait numéro 9, les dattes permettent d'avoir une meilleure vue grâce à sa richesse aux xanthines et aux lutéines, et ainsi que le rétinol qui sont des substances qui favorisent la vue, qui favorisent les dattes sont très riches en fibres, ce qui permet de favoriser la digestion au niveau de l'estomac, donc de se faire même de lutter contre la constipation. Et un autre facteur important, les dattes permettent de favoriser le transit au niveau intestinal. Activité numéro 10, bienfait numéro 10, les dattes augmentent la libido. De ce fait, les dattes sont indiquées dans les faiblesses sexuelles. Ça permet d'avoir une performance sexuelle. Les dattes plus le lait de chèvre plus le miel mixé dans les mixeurs favorisent une relation sexuelle très épanouie. Donc de ce fait, les dattes sont indiquées pour une augmentation de la libido. Partagez cette vidéo si vous avez aimé. On se retrouve à la prochaine vidéo.